YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans une autre vidéo. Vous êtes génial si vous êtes là. Alors aujourd'hui, je vais parler des vraies raisons de mon Big Shop parce que j'ai reçu un commentaire il n'y a pas très longtemps sur ma vidéo qui concerne mon Big Shop où on me dit simplement que je n'ai pas donné les vraies raisons de mon Big Shop et que je mens concrètement. Et que si j'ai voulu faire un Big Shop, c'est parce que je voulais avoir les cheveux courts et du coup j'ai fait une vidéo comme ça et en fait j'ai pas dit les vraies raisons, blablabla. Premièrement, j'aimerais que cette personne qui est une personne, je sais pas, un homme ou une femme, si la personne sait mieux que moi les raisons de mon Big Shop, j'aimerais que cette personne vienne ici et fasse sa vidéo à ma place parce qu'apparemment tu es dans ma tête, hein, tu sais mieux que moi. Donc viens, concrètement, je suis fatiguée d'avoir des commentaires comme ça de personnes qui pensent mieux savoir que moi-même. Mes propres raisons, mes propres choix, donc ça m'énerve, voilà, concrètement. Du coup, j'ai voulu faire une vidéo pour clarifier tout ça, pour vous donner mes raisons en détail, en fait, tout simplement, donc let's go. Alors, première raison de mon Big Shop, c'est que mes cheveux étaient abîmés. Alors, mes cheveux étaient abîmés. La personne qui a écrit ce commentaire, qui a eu d'ailleurs plus de 300 likes, a dit que j'étais en train de mentir et que mes cheveux n'étaient pas abîmés. Je vais vous mettre des photos. Vous allez voir que mes cheveux sont abîmés. J'ai des parties qui sont lisses. J'avais à un moment les cheveux lisses sur toute cette partie. J'ai essayé de couper une première fois donc les pointes parce que j'avais les pointes très abîmées aussi. D'ailleurs, je mettrai une photo de moi avec les cheveux lisses et là, vous allez voir que j'ai les pointes super abîmées. Donc, il fallait absolument que je coupe déjà au moins 5 cm. Donc, c'est ce que j'ai fait tout simplement. Donc, si vous regardez la vidéo de mon Big Shop, vous allez voir que mes cheveux sont beaucoup plus courts que d'habitude. Ça, je ne l'avais pas dit en fait dans la vidéo, mais j'avais déjà fait une sorte de pré-Big Shop avant, j'avais coupé 5 cm. Et dans ma vidéo du Big Shop, j'ai tout coupé, voilà, un peu plus court. Donc voilà, mes cheveux étaient abîmés, j'avais les pointes sèches, j'avais les pointes fourchues, mes déchets fourchus, j'avais des parties lisses, c'était la catastrophe. Ah oui, dernière chose, je sais qu'une personne a dit « Oh, mais tes cheveux, qu'est-ce qu'ils sont courts, ils poussent jamais, nanana. » J'avais les cheveux au niveau du soutien-gorge, donc j'avais les cheveux longs. Sachant que je coupe mes cheveux régulièrement, on va dire qu'ils étaient assez longs. Donc voilà, je vais rien dire d'autre parce que sinon je sens que je vais être méchante. Et puis vous savez quoi, au final je sais pas pourquoi je dois me justifier sur la longueur de mes cheveux. Donc voilà, c'est encore une raison pour laquelle j'ai coupé mes cheveux, parce que j'en avais marre de me justifier en fait. Deuxième chose, alors j'ai parlé de la pression. Il faut savoir que oui, il y a une pression quand on est une femme d'avoir des cheveux. Surtout quand on est une femme noire, on a une pression parce que d'un côté, on va nous dire « Ouais, les femmes noires, vous portez des perruques, nanana, vous n'avez pas de cheveux. » Donc du coup, on se fait shame, on se fait insulter sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas de cheveux, soi-disant. Et de l'autre côté, quand on a ses cheveux naturels, il y a une pression comme quoi « Ah non, mais tes cheveux, ils sont trop crépus. Ah non, mais tes cheveux, tu mets des texturisants parce qu'ils sont, frisés et t'es noir. » Donc il y a toujours des choses qui vont pas, toujours des commentaires sur tes cheveux quoi qu'il arrive, rien ne va. Et quand tes cheveux sont naturels, bah c'est pas bien parce qu'en fait ils poussent pas assez rapidement, donc on va te critiquer. Il y a toujours une pression de tout ça, il y a toujours un truc qui va pas, ils sont pas assez longs, ils sont pas assez... Le pire c'est que même quand t'as les cheveux qui correspondent à ce qu'on attend d'une femme noire, c'est-à-dire par exemple des cheveux un peu frisés mais qui sont longs, on va dire, mais non, tu mens, ils sont longs, nanani. Il y a toujours un truc qui va pas. Alors moi, j'en avais juste marre de me sentir obligée de rendre des comptes à des gens que je ne connais pas. De devoir dire, mais non, écoute, j'ai des cheveux longs. Mais non, écoute, j'ai pas fait de texturiseur. Mais non, écoute, blablabla. Non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Voilà. Troisième chose, je voulais un petit peu me rebeller. Vous savez que les cheveux courts, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Enfin, je pense que vous ne le savez pas, en fait, parce que j'en parle jamais. Mais j'ai toujours trouvé les cheveux courts super beaux. D'ailleurs, mon modèle, c'est Christina Cordula. Je trouve que c'est une femme qui porte très bien les cheveux courts. Et je me suis dit, oh my god, j'aimerais tellement essayer les cheveux courts. Parce que je la trouvais tellement magnifique. Je me suis dit, peut-être que ça pourrait m'aller et tout. Mais je me suis dit, non, ça va pas m'aller. Ça va qu'aux meufs super belles, super bonnes. Ça va qu'à elle. Et je me suis dit, you know what? Et je me suis dit, je vais les couper, on va voir ce que ça va donner. Et puis, de toute façon, mes cheveux étaient tellement abîmés que je me suis dit, autant tout recommencer à zéro, tout couper et repartir sur de bonnes bases pour avoir des cheveux en bonne santé, tout simplement. Parce que je ne cherche pas la longueur, je veux juste des cheveux en bonne santé. Donc du coup, c'est ce que j'ai voulu faire, couper mes cheveux pour me libérer de la pression et aussi pour me rebeller un petit peu. Et parce que j'ai toujours trouvé les femmes avec les cheveux courts super magnifiques. Et parce que j'en avais plus
de plaire à des hommes aussi. C'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, je me disais, je vais garder les cheveux longs. Il faut que j'ai des cheveux longs, très très longs, comme ça, je vais plaire aux garçons, et parce que je sais que les garçons préfèrent les filles aux cheveux longs, nanani nanana. Et au final, je me suis dit, j'en ai plus rien à faire de plaire aux garçons. La quatrième raison, c'est que j'avais besoin de marquer le coup, en fait, tout simplement. Par exemple, dans les films, si vous regardez beaucoup de films avec des personnages principaux, des femmes, vous allez voir que souvent, quand elles coupent leurs cheveux, c'est pour marquer une sorte de coupure avec leur vie d'avant et leur nouvelle vie, en fait. Pour essayer de montrer le côté nouveau départ. Et moi, c'est ce que je voulais faire, en fait, avec mes cheveux. C'était une sorte de... une façon de faire un nouveau départ, tout simplement. Parce que, en fait, les mois d'avant, j'étais malade, mais comme un chien. J'ai eu la mononucléose. Et c'est la première fois de ma vie que j'étais aussi malade. J'ai vraiment souffert. Et il y avait la canicule, et j'étais vraiment mal dans ma peau. Et quand je disais mal dans ma peau, c'était tout, en fait, mon corps. Et j'avais limite envie d'arracher ma peau, vraiment. Et c'est le truc que tu peux pas faire. Le seul truc que tu peux faire, c'est couper tes cheveux. Parce que c'est quelque chose qui te permet de retirer quelque chose de toi, en fait. Du coup, je me suis dit, je vais couper mes cheveux parce que j'en ai marre de ce corps, de cette peau. Et j'ai envie de marquer le coup par rapport à ma vie d'avant, en fait, de faire une croix sur ma vie d'avant, de laisser le passé dans le passé et avancer, en fait. J'avais vraiment besoin de ça. Et en fait, je pense que c'est aussi lié à mon âge, parce que j'ai 26 ans, et je suis en pleine crise, en fait. Vous savez, la crise au milieu de la vingtaine, qui est une crise horrible, parce que tu dis, oh merde, j'ai dépassé les 25 ans, je suis plus une enfant, je suis plus au début de ma vingtaine, où je m'amuse et tout. Et tu te rends compte que tu dois travailler, tu dois rentrer dans le monde du travail, que tes parents commencent à vieillir, que la vie c'est pas si simple que ça, et que tu peux plus faire trop de conneries parce que tu peux plus dire, bah, je suis jeune. Donc c'est un peu un âge bizarre. En plus, le pire c'est que la société te dit, t'as grandi, parce que t'as plus le droit aux réductions, réduction cinéma, la carte 12-25 ans, c'est mort, tous ces trucs-là c'est fini. Donc ça te fout un coup, en fait, un coup de vieux, et tu te dis, waouh. Ok, je commence à devenir une adulte. Du coup, j'avais besoin de marquer le coup, de me dire, ouais, ok, j'accepte le truc, quoi. Je vais devenir une adulte. Et j'avais besoin de couper ça et de me dire que bah, je recommence tout à zéro. Je commence à devenir une adulte. Et la cinquième et dernière raison, c'est que j'avais envie d'avoir les cheveux courts, tout simplement. Je crois que je l'ai dit un petit peu avant, mais j'avais vraiment envie d'avoir les cheveux courts. J'ai jamais vraiment eu les cheveux courts dans ma vie, sauf quand j'étais petite, mais je ne l'ai pas vraiment vécu, en fait. Et quand j'avais 17 ans, j'avais coupé mes cheveux courts, mais je portais que des perruques, que des tresses, et je pense que je les ai pas eu aussi courts que ça. Du coup, j'avais vraiment besoin de voir ce que ça faisait d'avoir les cheveux courts. Et voilà, je me suis dit, do that shit. Et c'est que des cheveux, en fait, au final. Donc c'est pour ça que je me suis dit, lance-toi. Et c'est vrai que je voyais de plus en plus de filles avec les cheveux courts sur les réseaux sociaux. Je me dis, putain, elles se lancent. Pourquoi moi je vais pas le faire? Je peux le faire, c'est que des cheveux. Et voilà pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Donc c'est vrai qu'au niveau de mes cheveux, j'ai un peu envie d'explorer, un peu envie de m'amuser. Donc je pense pas que je vais les laisser pousser pour le moment encore. Je pense faire des colorations, je pense continuer peut-être à raser des côtés. J'ai envie de m'amuser un petit peu avec mes cheveux. Et après, quand je serai ready, je pense que je vais les laisser pousser. On reprendra une routine capillaire à l'ancienne, etc. Ou mon but, ce sera juste d'avoir des cheveux en bonne santé, etc. à l'ancienne. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai envie de m'amuser, de vivre ma crise de la 25e, si on peut dire ça, comme il faut. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si vous voulez des vidéos de ce type, ou même d'autres vidéos, parce qu'en fait je fais des vidéos très intéressantes, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Mais vous savez quoi, faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez pas, vous faites pas. Vous êtes libre. Je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye!